les amis, donc aujourd'hui, comme vous avez pu le voir dans l'intro, on va essayer de se trouver un petit spot à Cristaux, parce que c'est aussi une de mes nombreuses passions, en plus de l'orpaillage, de la détection et tout ça, ce sont les minéraux. Donc ce sera pas les minéraux des Alpes, hein, bien sûr, on est dans les Vosges, mais on peut quand même trouver assez facilement des choses assez sympas. Donc là, pour le coup, on va essayer de trouver des petits quartz. On va se rendre sur les remblais, on va dire, d'une ancienne mine de galène, d'argent et de cuivre. Et donc dans ces mines, dans les remblais, on trouve, à même le sol, on trouve des jolis petits cristaux de quartz. Donc bah voilà, c'est parti, je vous emmène avec moi. Et puis bah, on va voir ce qu'on va trouver. Allez, à tout à l'heure. Bon les amis, comme vous pouvez constater, ça grimpe. Voilà, donc là on arrive sur une première zone. Donc en fait, il y a une des cheminées de la mine qui est tout là-haut. Je vous emmènerai la voir après. C'est assez bizarre, en plein milieu de nulle part, on a un trou dans le sol. Et donc là, tous les gravats, tous ces gravats, bon, il y a énormément de feuilles. Hein. D'habitude, quand je viens, c'est en été, donc il y a un petit peu moins de feuilles. Mais là, on peut déjà constater qu'il y a des beaux morceaux de quartz. Donc ceux-là ne sont pas cristallisés. Mais on peut voir que ça brille déjà. Et donc ça, ce sont les rejets de l'exploitation qui est plus haut. Donc voilà. On va essayer de trouver un petit peu mieux. C'était juste pour vous présenter les premières traces en fait, hein. Voilà, donc on en trouve déjà un petit peu plus bas sur le chemin, mais on va essayer d'en trouver là dans le talus, dans la pente. Voilà, allez, je sais pas si on voit quelque chose. Donc les premiers morceaux de quartz apparaissent déjà. Voilà, allez, je vous prends dès que j'ai un petit peu plus joli. À tout à l'heure. Bon les amis, voilà, ça fait 3 minutes que je suis là, hein, j'ai un petit peu escaladé et on tombe directement sur le premier petit exemplaire de quartz, donc une double pointe. Je sais pas si on voit bien, mais c'est très joli. Voilà, allez, on va essayer de trouver un peu plus joli. Bon les amis, on est arrivé au niveau d'une des cheminées de la mine. Donc là, tous les gravats que vous voyez, donc c'est tout ce qui a été éjecté donc pour creuser le puits. Et donc là, on arrive sur une entrée donc qui a été un peu bouchée, heureusement. Hein. Donc il me semble que c'est juste une entrée d'air, histoire d'aérer la mine. Non, 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 sors de là, sors de là. Oh, les chiens de terrier, c'est quelque chose. Voilà, donc ben, je vais quand même essayer de trouver un peu de quartz. J'ai trouvé quelques petits morceaux, mais rien de bien joli. Et avec les feuilles, c'est vraiment pas évident. Voilà, oups là. Donc je viens de me rendre compte qu'il y avait pas mal de trous assez frais. Je pense pas que ce soit des bêtes. Il semblerait qu'il y ait des gens qui cherchent quand même, hein, dans ce coin là. Voilà, un petit trou là. Il y en a plusieurs là en haut. Donc je sais pas trop ce qu'ils cherchent les gens. Enfin si, j'ai bien une idée, mais voilà. Allez, on va aussi essayer de trouver un petit peu quelque chose. Vous voyez, là on a une pointe. Petite pointe, bon elle est cassée, mais petite pointe quand même. Allez, je coupe et j'essaie de trouver quelque chose de sympa. A tout à l'heure. Bon les amis, je viens de trouver deux grosses pointes.
Donc elles sont pas superbement terminées, mais on voit bien que il y a possibilité de trouver quand même quelque chose de joli. Hein. Je suis déjà venu, hein, j'en ai trouvé des très jolis, mais avec les feuilles, c'est vraiment pas évident. Voilà. Allez, on continue la recherche. Ok, donc nous voilà un peu au soleil. Je vais vous montrer le genre de petits quartz qu'on trouve. Ah vache, ça monte. Hein. J'espère que ça va bien rendre. Pas l'impression. Donc là, on en a des très gros, mais complètement opaques. Et là, on en a un magnifique, magnifique pointe. On voit tous les détails. Et puis on a des mini plaques comme ça avec une multitude de cristaux dessus. Voilà, en gros. Donc là c'est dommage parce que celui-là est très propre de ce côté. Je me mette à l'ombre, je sais pas, je vois pas trop. Voilà, donc une petite récolte vite fait. Hein. Par contre, ils sont pas longs comme dans les Alpes. Hein. C'est du petit quartz, hein, on va dire. Mais bon, ça fait toujours plaisir à trouver. Voilà les amis, je vous laisse sur ces images. Et puis ben peut-être qu'un prochain coup j'essaierai de nouveau les fluorites à côté. Donc un peu plus dans la vallée. J'en avais trouvé deux. Pas super bêta mais ça fait plaisir de trouver ça. Vraiment. Allez, je vous laisse et je vous. Bon les amis, nous voilà de retour à la maison. Donc j'ai pas trouvé énormément de choses. Ça se résume à ça. Bon, j'ai quand même une super pièce. Enfin moi personnellement, je trouve ça très 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 beau. Donc il y a un petit dépôt de. Ça doit être du fer dessus. Mais en tout cas, c'est une belle grosse pointe. J'adore. Voilà. Donc précédemment, j'avais aussi trouvé ce genre de petite rose des sables au même endroit. Donc je sais pas trop ce que c'est, de la calcite ou aucune idée. Voilà. Et sinon, énormément de jolies pointes. Donc il y en a qui sont un petit peu plus pures que d'autres. Vous voyez, celle-ci est quand même relativement transparente. Évidemment, ce sont pas les cristaux des Alpes. Hein. J'en ai trouvé quelques-uns en cherchant et en marchant énormément cet été.
du côté de la cime de Caron à Val Thorens. Mais je reste sur ma faim. Voilà. Les jolies petites pointes. Donc toujours hein, recouvertes de je sais pas ce que c'est. Ça doit être ouais, du fer ou quelque chose dans le genre. Donc celle-ci qui est un petit peu plus prononcée, une pointe un petit peu plus prononcée, plus grande que l'habitude. Voilà, bah les amis, si des fois il y a des Alsaciens passionnés de minéralogie et qui souhaiteraient partager un peu leurs connaissances et leurs spots, ça sera avec un réel plaisir. Contactez-moi, franchement, je suis partant, hein. Je creuse comme un dingue. Voilà, c'est vraiment juste pour le partage et trouver quelques belles pièces, quoi. Voilà les amis, et ben dites-moi en commentaire si ce nouveau genre de vidéo vous a plu. On va essayer de. Enfin, je vais essayer de chercher d'autres endroits, d'autres spots pour trouver d'autres choses. Et puis, et ben, ça sera avec plaisir que je vous partagerai mes trouvailles et mes sorties. Voilà. Allez, je vous dis à plus tard pour de prochaines aventures. À plus, les amis.